Bonjour ou bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde, mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la racine de gingembre. Tout le monde connaît le gingembre. Tout le monde sait que le gingembre aide vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le gingembre a le pouvoir vraiment occulte, comme on dit dans la médecine traditionnelle, quoi. Donc, ici, là, je vais vous donner quelques astuces. Par exemple, avec le, vous savez, hein, je n'ai même plus à vous dire, avec le gingembre, on mélange ça dans presque dans tout, que ce soit dans la nourriture, que ce soit pour faire vraiment, pour maigrir, ou bien ici, là, par exemple, si vous avez une personne malade, vraiment malade, il faut essayer qu'il ne risque rien à rien. C'est une astuce naturelle. Vous prenez la photo de la personne, vous prenez la racine entière de du gingembre. Ce n'est pas les trucs coupés, mais je dis bien la racine entière. Du gingembre, vous posez la photo, vous posez ça sur la photo de la personne et vous allez voir comment la personne va s'améliorer. Donc voilà une astuce. Avec le gingembre aussi, là, si vous êtes un vendeur, vraiment ça peut aussi aider. Vous savez qu'on peut faire le savon avec du gingembre, par exemple. Ah oui, vous faites votre propre savon avec du gingembre. Vous savez aussi qu'avec si votre troisième pied est un peu faible, le gingembre peut vraiment vous. Je vous ai déjà donné plusieurs astuces avec si vous avez votre pied qui. Votre troisième pied qui est un peu faible, je vous ai déjà donné l'astuce là, donc je redonne ça là. Vous avez besoin de petits colas, vous avez du gingembre, de l'ail, des clous de girofle, du poivre long. Moi j'ai le poivre long. Si vous avez besoin d'écorce de calcédra, vous pouvez taper sur Google Recherche, vous allez voir ça. Je dis bien l'écorce de calcitra. Donc, ça veut dire C-A-L-C-I-D-R-A-T. La racine de ça. Vous avez besoin de la racine de caesalpinia. Ça, c'est le nom scientifique pour nous tous. Donc, ça veut dire, je vais écrire ça après, mais quand même, je perds la racine de C-A-E-S-A-L-P-I-N-I-A. P-O-N-D-U-C. Regardez, tapez sur Google Recherche, vous allez voir ça. Vous avez besoin des feuilles de Arbus plicatorus. Je vous ai déjà montré les feuilles là. Partout en Afrique, on trouve ces feuilles. Vous avez besoin de la racine de chêne-dent. Je vais aussi faire une recette avec, en tout cas, une vidéo avec les. Avec du chêne-dent, c'est partout. On trouve le chêne-dent vraiment partout. On trouve le chêne-dent. Vous avez besoin de tout. Vous allez mettre le tout dans une bouteille. Vous allez jeter un peu d'alcool. Vous allez laisser reposer pendant 3 jours et vous allez commencer à boire un peu, un peu, un peu. Et ici, là, je vais vous dire ici l'attention. Si vous êtes par exemple, si vous avez les femmes de nuit, ça risque vraiment de ne pas marcher. Donc, il faut d'abord traiter ça. Parce qu'il y a les gens qui pensent que rêver, faire le crac-crac avec les femmes dans la nuit, c'est bien bon. Il y a deux phases, il y a deux phases, si vous voulez. Il y a celui que peut-être on a fantasmé sur une personne, mais c'est clair qu'on peut rêver cette personne-là. Qu'on fantasme sur une personne, qu'on n'est même pas sûr que la personne va nous accepter. On peut fantasmer sur cette personne-là. Maintenant, ce n'est pas le cas que vous avez vraiment ça. Presque régulièrement, ce n'est plus normal. La traiter d'abord avant de faire ça. Et nettoyez aussi vos reins, c'est très important. Parce que si les reins sont cassés, tout c'est l'astuce que je viens de vous donner là, ça va vraiment pas vous donner un coup de main. Oui, par exemple, avec la poudre de la racine de gingembre, vous pouvez prendre ça. Mais comme je dis souvent que ces histoires-là, c'est bien quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas de blocage. Parce que si vous êtes, par exemple, bloqué ou bien vous avez des esprits qui vous gênent, vraiment, même si vous faites ça ne va pas marcher. Je dis ça parce que je sais de quoi je parle là. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'a pas tout ça là, essayez, prenez la poudre de gingembre, ça, mettez ça sur un bout de papier, bien plier ça et mettez ça dans votre sac à main. Ça peut aussi vous apporter un plus comme argent, quoi. Ça, c'est les astuces très simples. C'est les astuces qui sont simples, qui sont parfois très efficaces. Comme les gens aiment trop la magie, il y a les gens qui, si ce n'est pas la magie, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est vrai. Hein? Il y a les gens ici là-dehors, c'est la magie qui les intéresse. Donc, essayez qu'ils ne risquent rien, n'a rien.
Je dis encore une fois, vous prenez la poudre là, vous mettez ça dans un bout de papier, vous fermez en faisant bien sûr vos vœux, et vous mettez ça dans votre porte-monnaie, hein, qui ne risque rien à rien. Bon, j'ajoute encore cette astuce. Par exemple, si vous avez une dialyse naturelle, j'ai vu encore que naturelle, qui n'est pas compliquée. Et si là, vous avez besoin de la peau de la nana, vous avez besoin du gingembre et du miel. Donc, vous allez prendre la peau de la nana et du gingembre que vous allez vraiment, soit vous allez faire bouillir ça, soit vous allez d'abord, ou bien vous mixez le tout. Peut-être c'est mieux de mixer le tout. Et vous filtrez, vous prenez du miel naturel, optez au naturel. Hein. Et vous prenez du miel naturel, vous mettez. Et vous buvez matin, midi, soir. Donc vous pouvez répéter la solution jusqu'à satisfaction. Je dis ici là que si vous avez de la dialyse naturelle, que vous pouvez faire cette astuce-là. Voilà. Donc ici là, par exemple, si vous avez par exemple le ronflement, vous voyez que le gingembre aussi là pour vous donner vraiment un coup de main. Vous avez besoin d'un petit gingembre, par exemple, comme ça là. Vous avez besoin de deux carottes. Vous avez besoin de deux pommes. Vous avez besoin d'un quart de citron frais que vous allez mixer ensemble. Et vous allez les filtrer et boire un verre avant d'aller vous coucher. Vous pouvez, bon, ça c'est un truc naturel. Vraiment, ça ne gêne à personne. Tout le monde peut boire ça. Je dis bien tout le monde peut boire ça. Ça c'est contre le ronflement. Donc, comme je disais, vraiment, le gingembre fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Si là, vous avez les maux de genoux. Mais je peux aussi ajouter un truc ici, là, qu'avec l'ail, vous prenez l'ail, vous écrasez aussi très bien l'ail. Avec l'huile d'olive, vous mélangez très bien, vous massez ça matin et soir. Ça va vraiment vous soulager. Et si vous faites aussi ça, les feuilles de moringa, il y a ça ici, on vend ça dans les boutiques un peu spécialisées, les boutiques qui vendent, les gens qui vendent les trucs naturels. Bien sûr, Amazon, vous allez chez Amazon, même si vous êtes où, vous allez chez Amazon, vous allez voir ça là-bas. Même comme ça coûte un peu cher, ça c'est clair. Vous allez ajouter du gingembre dedans, vous allez piler les deux machins, parce que normalement, on vend souvent les feuilles là un peu, les feuilles déjà un peu en poudre. Donc vous allez mélanger les deux, faire ça en pâte vraiment et bander l'endroit là, quoi. Donc, vous voyez, donc soit vous allez faire l'un, soit vous allez faire l'autre. Pour les maux de genoux, vraiment, ça aide vraiment très, très bien. Voilà, une dernière astuce. Bon, par exemple, vous pouvez prendre, qui ne risque rien à dire, il dit encore qu'il ne reste rien à rien. Si vous êtes un commerçant que vous vendez, vous prenez aussi le gingembre. Le gingembre, comme ça, vous mettez dans votre parfum que vous aimez bien. Avant de partir, dès que vous vous êtes déjà lavé, très bien, surtout si vous êtes déjà débloqué, vous êtes déjà fait l'ouverture, vous êtes protégé pour faire ce genre d'astuce-là. Vous mettez un peu dans le parfum et vous mettez votre parfum avant d'aller dans votre lieu de commerce, quoi. Donc voilà mes astuces. Donc n'oubliez pas ici que je vends des savons, des débloqueurs, des changes. Si vous êtes au Cameroun, il y en a, il y a les savons là-bas. Que ce soit le savon de chance ou le savon de déblocage. Et si vous achetez un savon, vous avez droit à un t-shirt. Ça, c'est vraiment pour moi. Si vous voulez avoir un bout de moi, voilà une occasion pour ceux qui sont au Cameroun. Non, j'ai seulement laissé ça au niveau du Cameroun. Je pense la prochaine fois, je vais faire aussi pour ici, quoi. Donc, voilà ma vidéo. Donc, un récapitulatif en disant que j'ai le savon. Si vous voulez un savon vraiment spécial, n'hésitez pas. Si vous voulez le savon pour le pour serrer votre couple, il y a encore trois savons. Si vous voulez un savon de déblocage, il y a un savon de chance, un savon d'amour, un savon de dette, un savon de commerce. J'ai ces savons-là ici. Là, si vous voulez un savon spécial pour vous, je peux vous faire un savon. Je vous envoie ça par DHL. N'oubliez pas, vous pouvez vraiment... N'ayez pas peur d'investir. Allez investir, c'est la monnaie de demain, la crypto-monnaie est la monnaie de demain. Donc, avec... le gingembre, vraiment, le gingembre a le pouvoir, tout le monde sait ça. Si vous voulez maigrir, le gingembre est là. Si vous voulez pour le commerce, le gingembre est là. Vous pouvez même aussi faire votre savon avec le gingembre. Ah oui, le gingembre est aussi là. Si vous avez la dialyse naturelle, le gingembre est là. Si vous avez les maux de genoux, le gingembre est là. Le gingembre soigne beaucoup, beaucoup de choses. Si vous êtes quelqu'un qui a son troisième pied, qui est vraiment un peu faible, le gingembre là. Vous les femmes, si vous avez aussi besoin d'un coup de main pour avoir aussi
l'envie pour aller au ciel, le gingembre, j'ai oublié de dire ça, mais il y a plusieurs astuces pour ça. Le gingembre est là pour aider. Voilà ma vidéo, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, et moi je vous dis à tantôt, bye bye.